Ford nous présente la version écolo de sa Focus. Cette berline compacte a en effet reçu quelques modifications afin de consommer moins et par la même occasion de limiter ses rejets en CO2. Ford annonce moins de 100 g de CO2 par kilomètre, 99 g exactement. Le label Econetic de la Ford Focus a pour spécificité de recevoir un système stop and start et des pneumatiques à faible résistance. Notez que les ingénieurs ont aussi travaillé sur l'aérodynamique du véhicule, notamment au niveau de la carrosserie et de la hauteur de caisse. Sous son capot, le 1,6 litre TDCI de 110 chevaux ne déçoit pas. Les reprises de l'auto sont correctes, la sonorité maîtrisée et la consommation vraiment modérée. D'après le constructeur, comptait une moyenne record de 3,8 litres 100 par kilomètre. En bref, la Focus propose un très bon agrément de conduite. Sur route, le comportement de l'auto est sain et sans surprise. Le confort des passagers quant à lui ne se retrouve nullement dégradé par la modification des suspensions. Malgré un manque de gaieté, les matériaux respirent la robustesse. Seul petit regret, les soubassements de la console regorgent de plastique dur et facilement rayable, notamment au niveau de la commande de boîte et du levier de vitesse. Côté équipement, notre écolo propose notamment l'ordinateur de bord, les vitres électriques avant ou encore le régulateur de vitesse. Les passagers ne souffriront pas du manque d'espace proposé à l'arrière de la Focus. L'habitabilité est d'ailleurs l'un de ses atouts. Idem pour le volume de coffre. Pour les objets encombrants, il sera possible de rabattre les dossiers de banquette arrière afin de libérer encore plus de volume. Même si la Focus arrive en fin de carrière, cette dernière reste un excellent choix de par son homogénéité et son habitabilité. Notre version, également disponible en break, est affichée à 22 100 €, sans compter la réduction du bonus écologique porté à 500 €.